Eh bien, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle scène, Luigi fait des vidéos. Et aujourd'hui, je te donne ton horoscope de la semaine. Donc, tu l'as compris, nous allons parler astrologie. Mais qu'est-ce que l'astrologie ? Du grec astrom, astrologie veut dire langage des astres. Il y a donc l'astrologie populaire et l'astrologie mystique. Je dirais que l'astrologie populaire est souvent mise en contexte par un horoscope. Mais sans plus attendre, découvrons ton horoscope de la semaine avec notre ami gastrologue Victor Ivanov. Victor, c'est à toi, oui. Victor, где мой паломник? Мне нужен для супа! Nous allons commencer par les béliers, car les béliers veulent toujours être les premiers. Expression libre, assurance, détermination. Bélier, voici votre horoscope de la semaine. Votre semaine, quelques malentendus viendront ternir l'ambiance sur le lieu de votre travail. Les taureaux. Ah, le taureau, esprit vif. Endurance, esprit pratique, sensualité, ceci sont les mots-clés du taureau. Taureau, voici ton horoscope de la semaine. Tout vous semblera plus simple grâce à la présence de Mercure dans votre signe. La communication se fera plus fluide. J'ai tout de même un conseil à vous donner. N'oubliez pas que la première impression est souvent la bonne. Gémeaux, schizophrénie, dualité, intelligence, mais surtout impatience. Gémeaux, voici ton horoscope de la semaine. Le carré Mars-Neptune accentuera votre tendance à vouloir tout faire à la fois. Faites du sport, ça vous permettra de vous défouler, parce que vous êtes un peu foufou. Cancer, ne vous inquiétez pas, la recherche avance. Le cancer, quel poète! Émotif, susceptible et sentimental, cancer, voici votre horoscope de la semaine. La blague a déjà été faite par Jean-Luc. Votre semaine, vous êtes en pleine forme intellectuelle. Vous donnerez un coup d'accélérateur à vos dossiers et à vos projets personnels. Lion, quel soleil! Endurance, prétention, mais dignité. Lion, voici votre horoscope de la semaine. Vous craindrez pas grand-chose. C'est une semaine propice à l'accomplissement et la réussite. Vierge. C'est cela même, tout le monde y croit, bien sûr. C'est vrai que moi aussi je n'y crois pas. Vous aimez rendre service, l'efficacité est l'un de vos mots-clés, mais votre esprit reste étroit. Vierge, voici l'horoscope de ta semaine. Arrêtez de vous poser des questions. Petit conseil, si vous vivez en couple, il serait bon d'identifier avec lucidité vos forces et vos faiblesses. Balance. Toujours le cul posé entre deux chaises. Relation, harmonie et esthétisme sont les mots qui vous caractérisent le plus. Balance, voici ton horoscope de la semaine. Toutes les forces sont avec vous. Afin de mener vos projets à bien, il ne vous reste plus qu'à vous remonter les manches et vous mettre au travail. Oubliez les sandwichs et les repas pris sur le pouce. Prenez votre temps. Scorpion. Sagittaire. Non, allez, Scorpion. Scorpion, oulala, ça pique. Mystérieux, intense et autodestructeur, Scorpion, voici ton horoscope de la semaine, malgré qu'il soit toujours pas super. Ça bouge, vous changez tout, une envie de renouveau, de voir d'autres têtes, un autre décor. Pluton vous aide à retrouver concentration et sérieux. Sagittaire, vous êtes souvent la référence à suivre. Et oui, aventure, liberté et surtout nervosité. Sagittaire, voici ton horoscope de la semaine. Épanouissement professionnel garanti. Mars, Saturne et Jupiter unissent leurs forces pour vous offrir de belles opportunités d'évolution de carrière. Nos conseils, ou plutôt les astres, vous suggèrent de vous laisser aider à votre naturelle hospitalité. Côtoyez sans préjugés. Capricorne. Capri, c'est fini, il me reste les cornes. Autorité, responsabilité, mais quel cœur de pierre. Capricorne, voici ton horoscope de la semaine. Vous êtes cocu? Non, je plaisante. De nombreuses dissonances
vous recommande la plus grande prudence, tant dans le domaine professionnel que privé. Laissez votre orgueil dans votre poche. Verseau, vous êtes un génie en informatique. Alors, mettez-vous à l'informatique. Humanité, raison et progressiste. Verseau, voici ton horoscope de la semaine. Le domaine financier est à considérer pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Réfléchissez bien. Vous risquez de vous sentir sous pression, de passer par des hauts et des bas. Nous avons gardé pour la fin le signe qui est sûrement le plus généreux de tous les signes du zodiaque, et c'est le poisson. Compassion, générosité et modestie sont vos mots-clés. Poisson, voici ton horoscope de la semaine. Des projets un peu fous occupent votre esprit. Il vaudrait mieux attendre avant de vous lancer dans l'aventure. Toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. Alors, avant de nous quitter, je vous propose et vous conseille d'aller écouter ce super album, chaque chanson pour un signe, hein, donc chaque signe du zodiaque a sa chanson. C'est assez intéressant, je vous le conseille, je vous mets le lien en description. Vous pouvez aller tout de suite écouter, c'est gratoche. Vous pouvez aussi l'acheter pour supporter la scène, ce serait vraiment sympa. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner, à commenter, à partager. Prenez bien soin de vous, les amis, à une prochaine. Moi, je vous dis salut. Allez, salut et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Vive la saucisse. Mais sachez que le zozotement n'est pas une fatalité. Il existe plusieurs méthodes à ce sujet afin de corriger son zozotement. Et je vous laisse un lien en description afin de consulter un site avec plusieurs exercices afin de remédier à ce problème.